Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Gaël Giraud, je suis actuellement l'économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est une banque publique à but non lucratif qui finance des projets de développement dans les pays des Sud. Je suis également directeur de recherche au CNRS en économie, directeur de la chaire énergie et prospérité, prof à l'école des ponts, et jésuite, prêtre catholique romain. L'Église, elle en est où là, avec le réchauffement climatique? Elle va attendre que Jésus revienne, qu'il nous sauve, qu'il multiplie les petits poissons, qu'il ouvre les océans. Notre ami imaginaire à tous, il est où? Alors, l'Église, en fait, de mon point de vue, l'Église catholique, il y a d'autres églises que l'Église catholique, a pris une position extrêmement forte en juillet 2015 avec la publication de l'encyclique Laudato Si. Aucune institution n'avait publié un tel texte. Et j'ai plein d'amis écolos, d'extrême gauche, ou non, mais aussi d'extrême gauche, qui ont pleuré en lisant ce texte, en disant « Nous, ça fait 40 ans qu'on se bagarre, et on n'a jamais été capable de produire un tel texte. » Je pense que ce texte-là a propulsé l'Église catholique, qui ne s'y attendait pas, de la position qui était la sienne, qui était plutôt sur le bord de la route, par rapport à l'histoire de l'humanité et de nos sociétés, dans la locomotive. Au sens où elle a dit un certain nombre de messages très très forts, la question écologique est devenue la question primordiale aujourd'hui, pour nous. Laudato aussi est très clair là-dessus. On ne peut pas être chrétien et croire que les marchés vont pourvoir et résoudre le problème écologique. Il y a même au numéro 123 de l'encyclique une phrase extrêmement forte où le pape dit il y a une même logique entre le viol des enfants, l'abandon des vieillards et l'idéologie du marché qui nous sauverait de la question écologique. Vous avez beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le terrain par des chrétiens, avec des non-chrétiens. C'est un sujet transversal qui concerne tout le monde. Donc moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de communautés locales qui se créent pour essayer d'inventer un style de vie écologique. Un exemple, c'est le magnifique campus de la transition écologique à Forges, près de Montreux, auquel je contribue, qui est un château du XVIIIe siècle dans lequel une communauté qui vit là, hommes, femmes, religieux, laïcs, pas religieux, etc., apprend à vivre de manière écologique. Donc ça veut dire tout le monde est végétarien, on fait de la permaculture, on mange les produits du jardin. Et l'idée, c'est que ça devienne un centre de formation, d'apprentissage, où on apprend et on vit ce qu'on apprend. Voilà. Alors il y a des initiatives du même type qui sont prises dans le monde. Je peux en citer deux au moins, parce que je les ai visitées, j'y ai vécu un petit peu. Vous avez le Schumacher College à Totnes, en Angleterre, et puis le Sustainability Institute à Stellenbosch, en Afrique du Sud, qui font mutatis mutandis la même chose. C'est-à-dire, c'est un lieu de formation, vous donnez des cours avec des étudiants, et dans le même temps, tout le monde va faire de la permaculture au jardin, mange les produits du jardin, toute l'électricité provient de photovoltaïque décentralisée dans l'éco-village alentour, tous les déchets sont recyclés, l'eau est recyclée, etc., etc. On apprend à vivre d'une manière qui soit compatible avec le respect, disons, des écosystèmes dans lesquels, des milieux dans lesquels nous vivons. Voilà. C'est pas un peu un pansement sur une jambe de bois, pour résumer, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Hein. Ces petits camps de hippies où tout le monde il est content, il fait son petit chou-fleur, tout se passe bien, il fait son petit pied de tomate. D'accord. La ville de Paris, c'est combien de millions d'habitants? Est-ce que c'est extrapolable sur... C'est une bonne remarque, hein. C'est une très bonne remarque. Ma réponse, c'est la suivante, c'est indispensable, mais c'est non suffisant. C'est-à-dire... Je crois qu'il y a deux écueils. Un premier écueil qui est de croire qu'on va pouvoir relever le défi de la décarbonation de nos économies sans nous-mêmes changer notre style de vie perso. Ça, c'est juste pas possible. Donc, il faut que les hommes acceptent de ne plus manger de viande rouge. Voilà. C'est dur pour eux parce que là aussi, il y a un investissement. On parlait de sexualité et de pouvoir tout à l'heure, mais c'est un rapport aussi avec le caractère carnivore de l'être humain. Quand on mange de la viande, on se rassure parce qu'on se prouve à soi-même qu'on est tout en haut de la pyramide des prédateurs sur la planète et qu'on n'a pas de prédateurs au-dessus de nous. Voilà, il faut lâcher ça et arrêter de manger de la viande rouge. Ce n'est pas du tout évident. Regardez autour de vous les hommes adultes qui sont végétariens. Donc, premier écueil, croire qu'il ne faut pas changer notre style de vie le plus élémentaire.
Deuxième écueil, croire que ça suffit. Évidemment, ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas des petits clubs hippies, c'est un apprentissage existentiel profond de la manière dont je dois changer mon mode de vie. Dans le même temps, il faut évidemment que la puissance publique et le secteur privé changent complètement de braquet sur la question écologique. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça ? Quand on voit que, si je peux me permettre d'utiliser des grands mots, cette oligarchie politique formatée depuis des décennies, voire certaines générations, depuis des générations, est-ce que tu sens ce basculement, ce changement de paradigme au sein même de nos élites, quand on les voit s'augmenter en arrivant dans les ministères, quand on les voit comme ça se balader, tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Il y a, à mon avis, alors, de nouveau, comme pour les traders tout à l'heure, hein, je disais, il y a aussi des traders qui ne touchent pas à la coke, etc. Il y a aussi des politiques qui ne se grattent pas le nez aussi. Hein. Oui, il y a aussi des politiques qui bossent et qui ont compris les enjeux écologiques. Voilà. De mon point de vue, et ça rejoint un tout petit peu ce qu'on se disait il y a quelque temps, le lieu de la résistance la plus profonde, c'est la finance. C'est pas tellement la classe politique. La classe politique, en fait, quand même, aujourd'hui, a compris la gravité de l'enjeu. Il vient d'où, Macron ? Macron, c'est un haut fonctionnaire de l'Inspection générale des finances qui a pantouflé dans le secteur bancaire d'affaires chez Rothschild, puis qui est revenu dans la fonction publique, comme beaucoup de hauts fonctionnaires qui font des va-et-vient entre la haute fonction, la haute finance privée et la finance publique. Donc, ce que je peux raconter pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres il y a quelques mois, où on a passé une journée à la Royal Academy of Science, dans un endroit magnifique d'ailleurs, sur les questions écologiques et, disons, la gravité du désastre écologique et l'enjeu du financement de la transition énergétique vers des énergies renouvelables. On a eu un certain nombre de discussions, d'abord sur le diagnostic écologique, qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé. Donc mes interlocuteurs savaient, ont compris, que nous allons vers des effondrements de type régional, continental. Que le Sahel est dans une position extrêmement difficile, qu'on va avoir des millions, des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont courir dans tous les sens sur la planète pour aller chercher un endroit pas hostile à la vie humaine dans les années qui viennent. Ils ont compris que la fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, aussi bien à la surface de la Terre, donc en Sibérie, Alaska, Groenland, que sous la mer. Avec les hydrates de carbone voilà, qui explosent. Les hydrates, voilà. Qui vont lâcher du méthane, que ça, si ça s'accélère, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Et ça, ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'évidence empirique qui montre que on en est déjà là, mais on n'a pas d'évidence empirique qui montre le contraire. Donc, il y a un débat extrêmement intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane à la surface de l'océan Arctique. Voilà. En fait, on manque de mesures. On manque de mesures sur ça ? Ouais, mais pourtant, j'ai des copains qui bossent chez Total au niveau de la prospection et qui me disent, voilà... Quand les hydrates de carbone ils pètent sous l'eau, il y a les gouvernements qui s'excitent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des tests de bombes nucléaires, ils ne savent pas d'où ça vient, et ils ont compris depuis un certain nombre de décennies que ça... Mais malgré tout, non, les derniers travaux, y compris ceux qui sont publiés en 2018, l'an dernier, montrent qu'en fait, on a un gap entre les instruments de mesure qu'on a posés sur Terre et la mesure de la densité en méthane de l'atmosphère à mi-altitude. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas mesurer ce qui sort vraiment de l'océan. Donc, en fait, à mi-altitude, il y a plus de méthane qu'à la surface de la Terre. Et le différentiel entre les deux pourrait être dû à ce qui vient de l'océan. Mais aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Voilà. Donc, il y a un débat là-dessus. Mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. Bon, tes copains de la City, ils ont fini comment ? Ils sont un peu bourrés ? Ils se sont dit, voilà, les gars... Une fois qu'on a dit tout ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et, en gros, le message de ceux qui étaient là, qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été, on ne fera rien, nous les Européens. Pourquoi ?
Essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de la puissance publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des pertes, etc. etc. Alors, évidemment, ce n'est pas dit de manière aussi caricaturale et grossière que ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça le message essentiel. On n'est pas prêt à, disons, remettre en cause le modèle social qu'on a mis en place, hyper inégalitaire, pour les questions écologiques. Donc, à ce stade de la discussion, avec d'autres, je ne suis pas le seul, je demande, mais donc, que va-t-il se passer? Réponse, ah, les Chinois vont faire le boulot. Pourquoi? Parce que, me disent-ils, la Chine, elle a un pouvoir dictatorial, non démocratique, autoritaire, qui lui permet de faire le boulot, le sale boulot. Et elle va transiter vers des énergies renouvelables. C'est le plus gros pollueur de la planète aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc, on va laisser les Chinois faire le boulot. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Alors, ils me répondent, ben, nous, eux, les financiers, ces financiers-là, on va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite, parce que les incendies des forêts suédoises l'été dernier ont montré que les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique. Et au fond, la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter y compris la Suède, bien sûr. Donc il n'y a pas d'île déserte où les très très riches vont pouvoir aller se cacher. Un petit bunker. Ah, évidemment, ils vont devoir se faire des bunkers. Mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Je suis allé visiter des villages d'expatriés travaillant dans les hydrocarbures fossiles en Afrique. Donc, à l'intérieur du village, vous avez la piscine, la salle de concert, le cinéma, le terrain de tennis, le terrain de golf. Et on lave les voitures avec de l'eau potable. Vous avez des murs d'enceinte de 5 mètres de haut, double épaisseur, mirador, barbelés, chiens, policiers, etc. De l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Les expats, quand ils sortent de ces villages-là, montent dans des bus militarisés, jeep à l'avant, jeep à l'arrière, talkie-walkie, on ne s'arrête pas au feu rouge, on va sur le site d'exploitation et on revient. Madame qui vit là se paye des psys pour toute sa vie. Et monsieur, évidemment... Se paye des... Non, enfin je ne sais pas. Des psys pour toute sa vie aussi. Lui aussi, certainement, il se paye des psys aussi. Ouais. Donc ils vont mal. Et donc, cette vie bunkerisée dans les gated communities fera souffrir, y compris les plus riches. Mais, pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas ceux avec qui je parlais ce jour-là, à Londres, il y a quelques mois, étaient encore dans cette espèce de fantasme de « il existe une île déserte où on va pouvoir se cacher et laisser les autres payer la facture à notre place ». Voilà. Donc là, il y a un lieu de résistance très très fort, que j'observe. Voilà. Les classes politiques qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas nécessairement enfermées dans ce cynisme-là, mais elles naviguent là-dedans. C'est compliqué pour elles. Donc elles naviguent entre, disons d'un côté, les gilets jaunes ou les gilets rouges en Tunisie, ou d'autres manifestants, les lycéens qui vont manifester dans la rue pour le climat, etc., sur la planète entière, qui leur disent « Écoutez, ça suffit, maintenant il faut prendre la question écologique au sérieux ». De l'autre côté, un système financier qui ne prend que très très lentement la mesure de la gravité de la situation écologique et de ce que ça implique de déstabilisation de la sphère financière elle-même. Donc vous avez un financier qui l'a dit de manière très forte en septembre 2015, c'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a, pour la première fois, et ça a été un vrai coup de tonnerre hein, dans la sphère financière, qui a dit « la principale menace de la stabilité financière aujourd'hui, c'est le climat ». Mais vous avez là-dedans une sphère financière avec évidemment quelques financiers qui ont très bien compris la gravité de l'enjeu et qui essaient de se démener comme ils peuvent. Quelques assureurs qui, parce qu'ils font des pertes de plus en plus fortes à cause de l'impact du dérèglement climatique, commencent à comprendre qu'il va falloir prendre la chose au sérieux puisque leur propre business pourrait être impacté dans les années qui viennent. Donc vous avez le patron d'AXA qui dit il y a 2 ans, une planète à 4 degrés Celsius n'est pas assurable. Donc il va y avoir des tels dégâts sur le patrimoine, le capital, que nous, on ne pourra plus assurer. Voilà. Mais tout ça dans un contexte où la très grande fragilité bilancielle d'un certain nombre de banques et l'explosion des dettes privées
qui fragilise la totalité de l'édifice financier, fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la sphère financière ne sait pas où aller, que faire. Vous voyez, elle est prise entre un volcan qui va exploser, c'est son propre crack interne, et puis le tsunami qui lui tombe dessus, qui est le dérèglement climatique. Et donc, là-dedans, pour l'instant, ils n'ont toujours pas, enfin, en tout cas, ceux avec qui je parle, n'ont toujours pas pris de décision forte, en tout cas collectivement. Et la classe politique, qui est très dépendante de la sphère financière, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, pour l'instant, ne prend pas la mesure de l'urgence écologique. Pierre Laroutourou, ça te parle ? Oui, bien sûr, je connais bien, c'est un ami. Oui. Son initiative de lever 1000 milliards pour sauver le climat. C'est l'initiative... du wishful thinking, 1000 milliards, c'est pas assez. Quand tu dis que cette transition écologique, ça va durer 100 ans et ça va coûter très très cher, ça coûte combien ? Les chiffres, alors il y a une bagarre de chiffres. Alors, en gros, si on veut, donc il faut redonner les enjeux. Les enjeux, c'est l'accord de Paris, la COP21, décembre 2015, la communauté internationale s'engage à faire en sorte que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle n'excède pas plus de 2 degrés Celsius. Il est vraisemblablement trop tard pour qu'on reste en dessous des 2 degrés. La vraie question, c'est comment rester le plus proche possible des plus de 2 degrés. Combien ça va coûter ? C'est entre, disons, 50 000 et 90 000 milliards de dollars pour les 15-20 années qui viennent. Donc c'est de l'ordre du PIB mondial, étalé sur 15 ans. Donc ça fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a cet argent ? La réponse est oui. Est-ce que la sphère financière est prête à le financer ? La réponse est non, aujourd'hui. Alors quand tu dis cet argent-là, oui, c'est-à-dire qu'on a la capacité de la créer, de faire de la dette ? Alors, on a tous les moyens. On a la capacité de le créer. Et on a la capacité aussi d'aller le chercher, puisqu'il existe déjà. Je veux dire, la monnaie qui circule sur la planète aujourd'hui, c'est plus de 240 000 milliards. Parce que c'est de l'argent qui a été créé par les banques centrales, en particulier au cours des 10 dernières années, à la faveur des politiques monétaires non conventionnelles, dites du quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, qui ont inondé les marchés interbancaires de liquidités et qui ont permis aux banques elles-mêmes de créer énormément d'argent pour aller jouer sur les marchés financiers. Donc il y a énormément d'argent qui circule. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète qu'aujourd'hui. Simplement, il est capté par le trou noir qui s'appelle les marchés financiers, où cet argent ne sert pas parce qu'il n'est pas investi dans l'économie réelle. On a plus de 90% aujourd'hui des transactions financières sur les marchés financiers qui sont des transactions entre financiers qui ne concernent pas l'économie réelle. Voilà. Donc, on peut aller chercher cet argent, ce capital qui existe déjà. Comment ? En faisant de la régulation financière et en médiocrisant, si je puis dire, le rendement des opérations purement spéculatives. Une fois que ça ne rapportera plus rien, cet argent-là va revenir vers l'économie réelle. Ça, c'est évident. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on peut le faire en 2 jours, mais disons, dans les grands principes, ça c'est une option. Deuxième option, utiliser le pouvoir de création monétaire qui est à notre disposition, que nous avons. Et vu la gravité des enjeux, si on se dit que ce qui est en jeu, c'est ne pas arriver dans une situation où la survie de l'espèce humaine serait elle-même menacée, je crois que ça vaut la peine de se poser la question de savoir si la création monétaire ne peut pas être un outil utile pour financer à la fois la transition et l'adaptation au dérèglement climatique déjà embarqué. Alors c'est là que les propositions du type Laroutourou, Jean Jouzel deviennent intéressantes. En fait, avec un ami qui s'appelle Alain Grandjean, il y a 7-8 ans, on avait déjà fait cette proposition, qui consistait à dire, écoutez, la Banque Centrale Européenne crée aujourd'hui des milliers de milliards pour les banques, pourquoi ne créerait-elle pas de l'argent pour financer des investissements verts ?